voici tous réunis à nouveau. Ce qui veut dire que nous avons tous échoué. Alors quoi? Chacun de nous doit abandonner sa fortune jusqu'au dernier centime? C'est tout bonnement inacceptable! Pour une fois, je ne regrette rien. Je me suis engagée en connaissance de cause, après tout. Oui, oui, je suis d'accord avec Madame Lensor. Ah, Kat, vous êtes de retour aussi, hein? Parfait. Mademoiselle Layton, vous n'avez rien, grâce au ciel. J'étais terriblement inquiet. Inquiet? Pourquoi donc? Ainsi, mes énigmes ont eu raison de vous. Ceci met donc un terme au contrat. Vous êtes tous ruinés. Purement et simplement ruinés. Je n'aime pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ces contrats sont nuls et non avenus. Nuls et non avenus? Mais c'est un monde! Qu'est-ce que vous faites tous là? Inspecteur Museau? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, merci d'être venu, inspecteur. Vous tombez à pic. Bon, Kat, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi m'avez-vous appelé? Je vais tout vous expliquer. Et j'aimerais que vous soyez témoin de ce qui va se produire. Témoin? Alors, je n'embarque personne. Kat, ça veut dire que vous avez... résolu le mystère? C'est le cas, en effet. En fait, j'ai même résolu tous les mystères en lien avec ce palais. Hein? Peut-être devrions-nous commencer par identifier le facteur commun vous liant tous les sept? Vous avez tous été membres d'une exploitation de mine de diamants, n'est-ce pas? Et vous avez touché le jackpot. C'est d'ailleurs l'argent des diamants qui vous a permis de vous lancer dans vos affaires respectives et de pouvoir les faire prospérer à ce point. C'est cet argent qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Cependant, que faire si la mine de diamants était en réalité sur la propriété de Richemont? Vous inventez tout ça, Kat? S'il s'avérait que Richemont était le propriétaire légal de la mine, vous seriez tous ruinés. Cela va sans dire. Il semblerait que le génie derrière cette escapade nocturne, Lord Adamas en l'occurrence, soit lié à Richemont d'une quelconque manière. Il semblerait aussi qu'il ait prévu de se venger de ceux qui l'ont privé de sa fortune. Je vais vous arrêter tout de suite, ma chère Kat. L'endroit où nous avons trouvé les diamants n'était absolument pas sur les terres de Richemont. Ah, vraiment? N'est-ce pas plutôt que vous préférez prétendre le contraire? Ah, ne soyez pas ridicule. Ridicule? Je dirais que cette soirée d'énigmes est ridicule. Mais vous avez tous accepté de jouer le jeu? Était-ce pour apaiser votre culpabilité? En vérité, vous saviez que vous n'aviez pas d'autre choix que de participer, n'est-ce pas? Je... pourquoi ne pas tenter de résoudre la véritable énigme de ce soir? L'identité de notre hôte, Lord Adamas. Un personnage pour le moins exceptionnel. Vous pouvez le dire. Le multimillionnaire impénitent Adamas est en réalité... vous! Hein? Oliver Marchance, bas les masques! Mon fringant ami! Mademoiselle Layton, de quoi parlez-vous? Comment pourrais-je sérieusement... oh, à quoi bon? Vous avez sûrement déjà tout deviné, j'imagine, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Je suis Adamas.
Un chat alors ? Vous êtes bien le dernier descendant de la lignée des Richemont, n'est-ce pas ? Miles Richemont, 8e petit-fils de Maximilien Richemont. Vous avez décidé d'utiliser la légende urbaine de Richemont, né ici à Londres, pour vous venger des 7 dragons ce soir. Allons, fringante amie, dites-moi qu'elle a encore perdu les pédales. Grand Dieu, ce jeune homme pourrait-il vraiment être ? Tout est vrai. Vous avez une fois de plus fait mouche, mademoiselle Layton. Mais comment ? Comment avez-vous su que c'était moi ? Grâce à ça ! Où avez-vous... Il était dans votre ancienne chambre, Miles. Jean-Baptiste Marchance, explorateur fortuit d'Oliver Plot. L'origine de votre faux nom, si je ne m'abuse. De plus, ce palais grouille de signes trahissant votre duplicité. Oh, comment ai-je pu faire une erreur aussi grossière? Surtout après avoir pris soin d'enlever tous les portraits et les photos. Je dois avouer cependant que vous vous êtes surpassé, Oliver, avec toutes ces énigmes. Mais elles étaient tout de même trop simples pour vous, n'est-ce pas ? J'ai juste du mal à comprendre pourquoi une personne intelligente et foncièrement bonne comme vous irait jusque-là par vengeance. Je sais que la vengeance est inutile. Mais c'était pour maman. Je lui avais promis. Votre mère ? Quand mon grand-père a fait faillite, maman s'est retrouvée sans rien. Nous n'avions personne à qui demander de l'aide. Mais maman a remué ciel et terre pour que je ne manque de rien. Oh, maman ! Oh. Miles, pardonne-moi mon cœur. Tu n'as pas à souffrir ainsi alors que tu n'as rien fait. Ne t'en fais pas. Je vais bien, maman. Je voulais te montrer tant de choses. Mais nous sommes pauvres maintenant, et je suis malade. Pardonne-moi. C'est pas grave, maman. Je veux juste que tu ailles mieux. Moi aussi. Mais tu sais, Miles, tu dois être fort, même si tu es seul. Maman, je vais le récupérer. Je récupérerai tout, je te le promets. Je vais les obliger à nous rendre tout, chaque chose qu'ils nous ont volée. Je jure qu'un jour, quand j'aurai réussi dans la vie, je les ferai payer pour tout ce qu'ils nous ont fait. Oh, Miles. Maman! Mon chéri. Au bout du compte, tout le stress, la fatigue ont eu raison d'elle. Je n'avais que 12 ans à l'époque, le jour où j'ai dû lui dire adieu. Mais j'ai juré ce jour-là, juré que je vengerais notre famille de ceux qui lui avaient fait tant de mal. C'était donc une promesse. Voilà ce qui vous motivait. Je devais aller jusqu'au bout. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Pensez-vous vraiment que c'est ce qu'elle aurait souhaité ? Je... Bah, vous m'excuserez d'interrompre un moment aussi touchant, mais Oliver Marchens, Miles Richemont, vous êtes en état d'arrestation. Et je vais aussi devoir discuter avec les dragons. J'aurais jamais pensé que vous soyez tous des criminels. Oh, non. Allons, allons, inspecteur. Je pense qu'il y a une autre explication. Hein ? En fin de compte, je me demande à qui appartiennent les diamants. Il reste encore des choses à découvrir. Après tout, les richesses de la Terre nous appartiennent à tous équitablement, non ? De quoi parlez-vous donc ?
vous devenez un peu hippie sur les bords, Kat. Aou! Vous aviez raison, Catriel. Il y a 10 ans, la propriété avait déjà été récupérée. Maximilien Richemont n'avait alors plus aucun droit sur la mine. Comment ça? Il n'a pas payé la taxe qu'il devait sur ses terres et a donc perdu tout droit de les réclamer. Il a dû garder cela secret pour pouvoir dire que les diamants lui revenaient de droit. Cependant, il est décédé peu de temps après. Alors vous dites que les diamants n'appartiennent à personne? Ces 7 personnes ici présentes n'ont pas volé les diamants à Richemont. C'est même le contraire qui s'est produit. Mais... Oui, comme je le pensais. Merci d'avoir enquêté pour moi, Emiliana. Je ne l'ai pas fait pour vous. Comme je vous l'ai déjà répété 1000 fois, les données brutes sont le meilleur moyen de résoudre une affaire. Je tâcherai de m'en souvenir. Ainsi, comme je le disais, les richesses de la Terre nous appartiennent à tous équitablement. Les 7 dragons n'ont donc pas pu voler les diamants. Mais alors? Ça veut dire qu'il ne reste que vous et vos facéties, jeune homme. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Maman aurait-elle... Votre mère savait, évidemment. Non! Oliver, ne voyez-vous pas pourquoi elle ne vous a pas dit que vous vous trompiez? Pourquoi elle ne vous a pas dit la vérité? Non! Ne croyez-vous pas qu'elle cherchait peut-être à vous donner un but? N'est-ce pas ce qui vous a motivé toutes ces années? Je pense que votre mère vous a laissé embrasser cette idée de vengeance pour vous rendre plus fort et affronter les défis de la vie. Elle vous faisait confiance pour qu'en grandissant, vous réalisiez que c'était de la folie et abandonniez l'idée. Écoute, Trésor, suis ton cœur. N'abandonne pas. Si tu écoutes ce que ton cœur te dit, tu trouveras toujours la lumière. Je les ferai payer, maman. Je te le jure. Je les ferai tous payer. Je te le jure. Oh. Je sais, Trésor. Mais tu dois d'abord grandir, devenir fort et t'épanouir. N'oublie pas. Je le ferai. Je serai aussi grand et fort et important que tous réunis. Tu verras. Tu es si brave. Vis. Ta vie, mon fils. Rends ta chère mère fière. Montre-leur à tous. Le grand homme que tu deviendras. Alors vous voulez dire qu'elle n'a jamais voulu que je... J'avais pas compris. Et regardez-moi maintenant. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Oliver, je suis sûre que votre mère serait fière de vous. Vous êtes devenu celui qu'elle espérait. Sur tous les plans essentiels, elle vous aimait vraiment. Maman, pardon. Pardon, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Oh. Souriez, Oliver. Les dragons n'ont rien fait de mal en réalité, souvenez-vous. De plus, je ne pense pas non plus que vous soyez responsable. Pas responsable? Mais... À quoi pensez-vous encore? Ne dites pas de bêtises, Kat. Et tout ce bazar alors? Les menaces,
les fourberies, la volonté de ruiner la vie de ces pauvres gens. Et vous l'innocentez? Et puis quoi encore? Jetez un œil à ça. Regardez. Hein? Ah! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Je... Cher ange, pendant toutes ces années, nous vous recherchions. Moi? Oui, nous avons tous une grande dette envers Lord Richemont, voyez-vous. Sans lui, nous n'aurions jamais, évidemment, découvert les diamants. Oui, il savait que s'il devenait le propriétaire légal de la mine, tous les bénéfices serviraient à rembourser ses dettes. Il a donc délibérément renoncé à s'approprier le terrain et s'est habilement arrangé pour que nous découvrions les diamants. C'était un homme sage. Il a vu le futur de Londres dans ses diamants. Et il ne voulait pas qu'ils servent des intérêts personnels. Il vous en a laissé l'usage. Il a souhaité en faire un investissement pour la ville. Mais je croyais qu'il voulait reprendre possession de la mine. Ça ne colle pas. Non, c'est nous qui essayons de lui rendre. Sans l'argent des diamants, sa famille courait évidemment à sa perte. Nous voulions les aider. Nous ne supportions pas qu'il perde tout. Nous avons tout essayé pour le sauver en lui rendant la mine et les diamants. Mais il a fermement refusé. Non. Nous avons échoué et nous en sommes terriblement désolés. Et j'ai créé la légende de Richemont. Je ne pouvais pas supporter de voir un tel nom associé à une faillite. J'ai donc inventé une histoire à propos d'une immense fortune cachée quelque part dans cette maison. Vous savez, très cher, tout le monde aimait profondément votre grand-père. Oh non! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes venus aujourd'hui en sachant que Miles se cachait derrière ces énigmes. Mais nous n'imaginions pas que c'était vous. Je ne savais pas. Je vous demande pardon. Je suis vraiment désolée. Miles, repartons à zéro. Oui, c'est sûrement ce que votre grand-père et votre mère auraient voulu. Vous tous. Merci. Venez là, mon garçon. Je le vois maintenant, la ressemblance est frappante. En effet, j'ignore comment nous avons pu passer à côté. Alors, comptez-vous toujours l'arrêter? Je pense que personne ici ne peut dire qu'Oliver lui a causé du tort. C'est parfait. Allons, pourquoi pleurez-vous encore? Excusez-moi, c'est juste l'émotion. Alors là, Kat, je dois avouer que je vous félicite. Je n'aurais jamais pensé que ça se termine ainsi. On peut dire que vous maîtrisez toutes les ficelles du métier. Vous devriez savoir. La réalité dépasse la fiction. Thank you.
Mademoiselle Layton, regardez toute cette neige. Eh bien, l'agence est ouverte depuis un mois maintenant. Le début a été frénétique, mais toujours pas la moindre trace de mon père. Le mystère du professeur disparu, toujours pas résolu. Connaissant papa, où qu'il soit, il doit être occupé avec un mystère extraordinaire. Vous le retrouverez, c'est sûr. Oui, je suis persuadée que j'y arriverai. Mais vous n'êtes pas vraiment du genre famille, Kat. Ça ne vous ressemble pas. Non, c'est vrai. En fait, je veux seulement lui dire que j'ai résolu l'énigme qu'il m'a laissée. Une énigme, Miss? Oh, mais de quoi parlez-vous? La voilà. Si tu n'es pas vraiment mon enfant, alors, qui es-tu donc? Hein? Nom d'un chat!